de plus mes mots qu'Aden Chomiti. C'est un anagramme de mon nom et de mon prénom. J'ai pris ce pseudo parce qu'effectivement mon nom et prénom sont déjà utilisés par d'autres. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils publient aujourd'hui, donc j'ai voulu me différencier. Voilà, ça a une signification parce qu'effectivement Mokden dans l'Égypte ancienne et dans la religion soufie entre autres, c'est celui qui était le sage, c'était celui qui guidait un peu les autres, c'est celui aussi qui passait de ville en ville, qui amenait de la culture, de la santé, des informations, enfin voilà, des médicaments, etc. Et puis Chomiti, c'est un nom qui est de consonance japonaise. Et je suis passionné par les cultures, la culture japonaise et par la culture égyptienne ancienne. Alors, j'ai écrit beaucoup de poèmes, j'ai écrit beaucoup de nouvelles avant de me lancer effectivement dans l'écriture de romans. Mon but dans cette écriture, c'est effectivement d'amener quelque chose, une connaissance, en général scientifique. C'est-à-dire que mes romans se basent sur des recherches que je suis amené à mener et que j'étais amené à mener. J'écris donc deux romans aujourd'hui, un qui s'appelle donc Les chants d'amour aux lèvres des statues. Alors c'est un nom un peu compliqué, c'est un titre un peu compliqué. C'est une chercheuse sur Alzheimer américaine qui est nommée dans un laboratoire de recherche en Allemagne. Et cette chercheuse donc va vivre quelque chose d'un peu difficile, elle va décéder suite à un accident ou dans lequel la statue va jouer un rôle important. Et à partir de là, sa hiérarchie va essayer de récupérer ses recherches pour les publier à leur compte. Et donc, il y a une cabale qui va être montée contre elle pour la dénigrer, voilà, pour pouvoir effectivement prendre ses recherches. Voilà, ça c'est le thème effectivement du livre. Ça me permet effectivement de parler de la littérature allemande. Ça me permet de parler de sa situe dans une ville où Goethe et Schiller se sont rencontrés. On fait la paix, ils étaient très opposés l'un l'autre. Et donc, ils ont fait la paix et ça a donné la naissance du romantisme allemand. Et ça a donné la naissance effectivement de la culture allemande. Ça a été un point important également dans ce livre que j'aborde également dans ce livre. C'est un roman d'amour, voilà. C'est un roman qui se termine relativement bien et où les personnages effectivement vont s'entrechoquer, mais en même temps bon, aboutir à quelque chose de nouveau et créer quelque chose de neuf. Voilà, ça me permet de développer un petit peu les axes de recherche sur la maladie d'Alzheimer parce que ça m'a beaucoup intrigué cette maladie parce que ma belle-mère a fait cette maladie, j'ai vu la dégénérescence effectivement de sa santé et je me suis dit qu'est-ce que fait la science quoi. Qu'est-ce que fait la science? Et donc j'ai travaillé effectivement sur ces axes de recherche. Donc j'ai trouvé 17 axes de recherche sur Alzheimer. J'ai fait 17 chapitres du bout du roman. Ça c'est le premier. Le deuxième roman que j'ai écrit c'est Touché en plein cœur. Donc effectivement c'est un jeu de mots qui est... voilà. C'est l'histoire d'un mathématicien français qui est nommé au Caire dans l'Institut Monge et qui va être détenteur d'une information pour lui inouïe. Sur l'Égypte ancienne et sur les mathématiques au niveau de l'Égypte ancienne. Il va dire foutaise, voilà, encore un truc voilà, bidon, quoi. Et il va vérifier, il va s'apercevoir que l'information, elle est juste. Et que la démonstration qu'on lui a donnée, elle est vraie, elle est réelle. Et donc là, il est stupéfait, et donc il veut poursuivre cette recherche pour pouvoir l'étoffer, pour pouvoir voir dans quelles conditions, etc. C'est vrai, etc. Il a besoin de se rendre dans certains lieux, entre autres dans un temple. En Égypte, et les autorités égyptiennes lui refusent. Il est étonné que les autorités égyptiennes lui refusent. Il s'adresse à ses autorités, enfin à son ami qui l'a nommé là, son ami parisienne, qui l'a nommé effectivement là au Caire, et elle va également bloquer, lui interdire de faire toute recherche. Il ne va pas comprendre ce qui se passe, il va vouloir poursuivre, et il va lui arriver à tout plein de désagréments, il va être obligé d'arrêter, de quitter le Caire, de quitter l'Égypte en catastrophe, et sa carrière va être ruinée. Et il va être sali, enfin voilà, là également. Et donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, son ami devient son ennemi. Pour lui, c'est un peu le monde qui s'effondre. Et il va rencontrer un vieux sage
par intermittence, qui va apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, etc., dans des conditions particulières, et qui va effectivement l'aider à comprendre quelle est sa situation et quelle est la situation de ses proches à lui également, et donc comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, c'est également quelque chose qui s'est déjà joué il y a 5000 ans. Et à partir de là, effectivement, il va pouvoir débloquer la situation et dénouer ce sac de nœuds, quelque part, je dirais, émotionnel et physique, parce qu'effectivement, il y a des problèmes physiques, et il va dénouer cette malédiction, quelque part, je dirais. Voilà, c'est toute cette trajectoire de ces personnages qui est menée. Ça me permet de parler de l'Égypte ancienne, ça me permet de parler du pharaon, de la vie à la cour de pharaon, ça me permet de parler des relations entre les pharaons et les grands prêtres, ça me permet de parler de la hiérarchie des grands prêtres, ça me permet de parler des conflits qu'il y avait dans la hiérarchie, chez les grands prêtres, etc., des jalousies, etc. Et puis ça me permet également donc de comprendre et de se relier à la situation d'aujourd'hui, Est-ce que la science est la science toujours? C'est la question qui est posée. Voilà. Est-ce que la science aujourd'hui n'est pas un peu déviée? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des oukases, des doxas, on ne raisonne pas avec des principes ou des choses qui sont imposées d'en haut et qu'on veut effectivement cacher certaines vérités ou cacher certaines réalités? C'est un petit peu ça qui est également derrière ce livre, puisque toutes les informations qui sont dedans sont vraies, mathématiquement en tous les cas. Et toutes les informations qui sont dedans sont vraies également au niveau de l'Égypte. Je l'ai fait vérifier et par un mathématicien et par un spécialiste égyptologue. Voilà. Voilà à peu près l'explication un petit peu de mes deux. Alors, je pense que c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir un salon littéraire à 7. Quel que soit le nom qu'il est, et quelle que soit l'ampleur qu'il possède, que ce soit des artistes indépendants, ou que ce soit des auteurs indépendants, ou que ce soit des auteurs effectivement qui soient dans des maisons d'édition. Je pense que cette mérite, de point de vue culturel, de l'importance qu'elle a au niveau culturel, qu'il y ait un salon des auteurs, un salon des écrivains sur cette ville. Je trouve qu'il y a un peu dommage. Alors il existe les automnales, mais bon, effectivement, on voit que il y a une tendance à ce que les automnales fassent appel à des auteurs étrangers à Sète et fassent appel à des auteurs qui sont connus, pour la célébrité, pour amener du monde, etc., etc. Je pense qu'il y a une vraie richesse culturelle au niveau de l'Occitanie. Principalement sur la région de Sète. Enfin, il y a beaucoup de gens qui écrivent, d'après ce que je peux voir, et je pense que Sète peut être le catalyseur de cette expression d'auteur en Occitanie. Et je pense que ça serait bien que cette radiance-là également, comme elle peut l'avoir sur d'autres domaines au niveau culturel. J'ajouterais que les festivals de poésie qui a eu lieu cet été étaient d'un très haut niveau, de très très intéressant, et m'a donné envie de réécrire des poèmes, par exemple. Parce que je trouvais que c'était vraiment très très bien fait, qu'il y avait vraiment la possibilité qui était donnée aux auteurs de pouvoir expliquer leurs poèmes et de pouvoir les déclamer dans la rue, par exemple, pouvoir les lire, les raconter, les faire vivre, y compris les jouer. Donner une puissance émotionnelle et une puissance au niveau de l'écriture qui était très très importante.